fais un bilan très positif. Donc, je suis un président heureux. On a dépassé les 200 inscrits avec une cinquantaine de jeunes en formation, alternance, en apprentissage, en formation continue. Donc, c'était aussi la volonté de Synov d'intéresser un maximum les jeunes qui sont aujourd'hui les moteurs d'avenir de nos métiers. Une grande diversité d'acteurs, de participants, des bureaux d'études, des maîtres d'œuvre, des donneurs d'ordre publics, mais aussi des représentants du monde institutionnel, économique, local. Donc, nous avons eu la possibilité, donc, à travers donc, cet événement, de promouvoir les métiers de l'ingénierie, de faire aussi un retour et un échange aussi entre ce qui se faisait sur la France métropolitaine et puis sur le territoire de la Réunion Mayotte. Donc, je pense que c'est un sujet qui a été où il y avait beaucoup d'attentes. Et j'espère que, j'ai le sentiment que nous avons répondu à ces attentes. Voilà, il y a eu un échange très, très dynamique entre donc, les participants et l'ensemble des gens qui étaient présents. Donc nous sommes très heureux de cet événement et de la venue aussi de notre président donc, qui a contribué à faire connaître un peu plus la fédération ainsi que les membres qui l'accompagnaient.